are not two reasons for being a Christian. Il n'y a pas deux raisons à être un chrétien. There is just one main reason. Il y a seulement une raison principale. For you to make heaven. Pour toi d'aller au ciel. To spend eternity with Jesus. Pour passer l'éternité avec Jésus. Therefore. Ainsi, even death in this life, même la mort dans cette vie, cannot stop us from that vision. Ne peut pas nous arrêter et stopper cette vision. I want to share with you before we pray. I want to share with you a text I got from my very good friend Witness Kempo Obioke in Nigeria. Avant que nous ne prions, j'aimerais partager un message que j'ai reçu de mon ami le pasteur. Yeah, Witness Kempo depuis le Nigeria. I asked him whether I could share it with you. He said I could go ahead. Je lui ai demandé si je pouvais partager ça avec vous. Il a dit que je le fasse. Now I want to read that to you for you to. I hope my French interpreter will be able to get that. But the story says, in a clandestine church in the Soviet Union in 1978, the church that was hiding. Dans une église clandestine en Arabie Saoudite. In Soviet Union. Soviet, en that's Union Russia. Soviétique. Yeah. They were singing a song to Jesus when soldiers entered the church with guns in their hands. Ils étaient en train de louer Jésus avec des chants lorsque des soldats sont venus entrer. So the meeting was immediately interrupted by the soldiers of the Soviet army. Donc la réunion a été immédiatement arrêtée par les soldats de l'armée de l'Union soviétique. They invaded the place of a meeting with full brutality. Ils ont quitté le lieu de la réunion avec de rencontre. They invaded. To invade means to take control. Ils ont envahi le lieu de la réunion de manière brutale. Yeah, so no one knew how they had found that the church, as the members used to meet in that very place for a long time. Et donc personne ne sait comment ils ont su que l'église se regroupait à ce lieu-là à ce temps précis. What are you doing here? Shouted the soldiers. Que faites-vous ici? Ont crié les soldats. Are you worshiping your imaginary gods? Êtes-vous en train d'adorer votre dieu imaginaire? The members of the church became scared and feared that there were probably more soldiers with weapons outside to take them to prison. Donc les membres de l'église étaient dans la crainte et ils ont pensé qu'il y avait d'autres soldats, plus de soldats à l'extérieur et ils étaient dans la crainte. But what was about to happen was even worse than simply being put in jail. Donc et ce qui était sur le point de se produire était même pire que d'aller en prison. Out of a sudden, the soldiers in charge shouted. Et soudainement, les soldats se sont mis à crier. All those who are faithful to God stand on the right side of the church. Que tous ceux qui sont fidèles, qui ont été fidèles à Dieu, se tiennent du côté droit de l'église. Because you will be executed because of your faith. Parce que vous serez tués à cause de votre foi. You are the ones who decide if you are going to live or to die. C'est vous qui décidez si vous allez vivre ou mourir. The ones faithful to this so-called God will die. Tous ceux fidèles à ce dit Dieu vont mourir. But those who deny him will be free. Mais ceux qui le renieront seront libres. So 5 minutes before this moment. Et 5 minutes après ce moment-là, all the church members were singing songs of worship to God. Tous les membres de l'église chantaient les chants pour Dieu. In the same way now, it was a matter of life or death. Et de la même manière, maintenant, il était une question de vie ou de mort. Many stood up and went to the left. Plusieurs se sont levés et sont allés à la gauche. A few courageously stood on the right while quickly saying their last prayers. Certains qui étaient courageux se sont tenus à la droite tandis qu'ils faisaient leur dernière prière. Families wanted to stay together, became divided because some were on the other side while the other were on the other side. Les familles qui étaient là ensemble se sont séparées parce que certains étaient du côté gauche et certains du côté droit. One of the soldiers said. L'un des soldats a dit. All those on the left can now leave. Tous ceux du côté gauche peuvent maintenant partir. They left the place without being able to look at the face of their brothers and relatives that would soon be killed. Ils ont quitté l'endroit sans même avoir le temps de regarder au visage de leurs frères, leurs amis, leurs proches qui devaient être tués. They were covered in shame.
ils étaient couverts de honte. When only the people on the right remained, the soldiers placed the gun on the seat and said to them. Lorsque les gens de la droite sont seulement restés, les soldats ont pris les armes. They took their guns and placed on the seats. Ils ont pris leurs armes et ils ont déposé sur les chaises. And they said to them. Et ils leur ont dit. We also are Christians. Nous également sommes chrétiens. But today we want you to worship God without the hypocrites. Mais aujourd'hui nous voulions adorer Dieu sans les hypocrites. Now let's proceed with the meeting. Maintenant continuons avec la réunion. That's the story. Ça c'est l'histoire. They wanted to worship God without the hypocrites. Ils voulaient adorer Dieu sans les hypocrites. So you understand that a lot are still hypocrites. Donc vous comprenez ici que plusieurs sont encore hypocrites. They have not understood what it means to love him even unto death. Ils n'ont pas encore compris ce que c'est que de l'aimer même jusqu'à la mort. To love Jesus despite the persecution. D'aimer Jésus malgré la persécution. I want us to pray about what I call a reminder. J'aimerais qu'on prie sur ce que j'appelle un rappel. That whatever situation you find yourself in. Que dans toute situation dans laquelle tu te trouves, you must live up to this reminder. Tu dois vivre avec ce rappel. This reminder must always be present in your mind. Ce rappel doit toujours être présent dans ta pensée. What is this reminder? Et quel est ce rappel là? Paul told the church of Colossians. Paul a dit à l'église de Colossiens. In chapter 3, we're reading from verse 1 to 4. Dans le chapitre 3, nous lisons le verset 1 à 4. Colossiens chapter 3 verse 1 to 4. Colossiens chapitre 3 verset 1 à 4. That is a reminder that must always fill and characterize our lives. Ceci est le rappel qui doit toujours remplir et caractériser nos vies. What did Paul tell them? Qu'est-ce que Paul leur a dit? Since then you have been raised with Christ, set your heart on things above where Christ is seated at the right hand of God. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Set your minds on things above, not on earthly things. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles et non à celles qui sont sur la terre. For you died and your life is now hidden with Christ in God. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en and Dieu. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with him in glory. Quand Christ votre vie apparaîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans this la gloire. Must be your reminder. Ceci doit être ton rappel. Whatever you find yourself in. Dans quel que soit dans quoi tu the reminder dire. Is set your heart on things above. Le rappel c'est garde affectionnez-vous des choses d'en haut. Set your minds on things above and not on earthly things. Affectionnez-vous des choses d'en haut et non des choses de la terre. Because you died with Christ. Parce que vous êtes mort avec Christ. And Christ who is your life. Et Christ qui est votre when vie. He comes you also will live or be with him in glory. Et lorsqu'il viendra vous également vous allez vivre avec lui dans I la want gloire. You to pray. J'aimerais que vous priez. That you will love him even at the cost of your life. L'aimer au point de perdre ta I'm vie. I'm not talking about only the cause of pleasure. Je ne parle pas seulement des plaisirs. I'm not talking at the cause of some giving away some things. Je ne parle pas au prix de donner laisser partir but certaines the choses. The cost of your own life. Mais au prix de ta propre vie. Amen. I want us to take another prayer topic. J'aimerais que nous prenions un autre sujet. Before we get into the business of the day. Avant d'entrer dans l'affaire du jour. I want you to pray. J'aimerais que tu pries. That the Lord will enable you. Que le Seigneur te rende capable. For you to constantly set your mind on things above. Pour toi de toujours garder affectionner les choses d'en haut. I told you that the second greatest enemy of the Christian life is the world. Je vous ai dit que le deuxième grand ennemi de la vie chrétienne c'est le monde. And the world has things that entices. Et le monde a des choses qui attirent. Things that can pull you. Les choses qui peuvent t'attirer, qui peuvent te cause faire you to forget the things above. Et toi, pour que tu puisses, afin que tu oublies les choses d'en haut. You want to pray that image of the things above shall be perpetual in you. Tu veux prier que cette image des choses d'en haut puisse demeurer en toi. If you have not yet gotten that image, si tu n'as pas encore eu cette image, that's another story. C'est une autre histoire. You need to
have that image in your mind. Tu as besoin d'avoir cette image dans ta vie. So Paul says, donc Paul dit, set your mind on things above. Affectionnez-vous des choses d'en haut. When you have been risen with Christ. Vous avez été ressuscité avec Christ. When you are born again. When you are born again, you are no longer of this world. You have been risen with Christ. You are just here like a pilgrim, an ambassador. You are here on mission. You are really home. Your citizenship is in heaven. So your mind must be set on your citizenship in heaven, not on the things on earth. Any ambassador, tout ambassadeur who deviates from the constitution of his country, qui dévie de la constitution de son pays, and embraces the host country, et embrasse celle and start behaving like people of the host country, et commence à se comporter comme les gens du pays, he is not qualified to be an ambassador. Il n'est pas qualifié pour être un ambassadeur. You are just an ambassador on earth. Tu es juste un ambassadeur so sur la terre. Your mind is filled with the things above. Donc si ta pensée est pleine des choses d'en haut, when you can have that understanding. Et lorsque tu peux avoir cette compréhension, you will despise everything on this life. Tu vas mépriser toute there chose is nothing in this life. Il n'y a rien sur cette terre. I repeat, there is nothing in je this life. Répète, il n'y a rien that sur cette terre. That's what Jesus told the disciples. C'est cela que Jésus a dit à ses when disciples. They drew his attention to a building, lorsqu'ils ont attiré son attention sur une bâtisse, he said, one stone will not be left on another. Il dit aucune pierre ne se restera sur une autre. Everything here is vanity. Il dit toute chose ici est vanité. Vanity upon vanity. Vanité de vanité. There is nothing that is meaningful in this il life. Il n'y a rien qui a un sens dans cette so terre, to be, to, to be allowed by the things of this world. Donc se laisser guider par les choses to, de ce monde. To catch you, to entice you. Les permettre de t'attraper, de t'attirer. It means you are missing something. Ça veut dire que tu manques quelque chose. Apostle John. L'apôtre Jean. He says that when he was taken to heaven. Il dit que lorsqu'il a été amené au ciel, just the road were made of gold. Seulement les rues étaient faites d'or. So tell God, donc dis à Dieu, I need that grace. J'ai besoin de to cette constantly grâce. Fill my mind with the things of above. De constamment remplir ma pensée des that choses d'en haut. That nothing in this life shall distract me. I want us to raise another one. J'aimerais que nous élevions un autre. Things are happening in the world now. Les choses se produisent dans le monde maintenant. And all these are signs of the end. Et tout ceci sont des signes de la fin. I watched a newscast yesterday. J'ai regardé des informations hier. That happened in America. Qui s'est produit en Amérique. And I cried. Et j'ai pleuré. The only way I could describe that. Le seul moyen par lequel je peux le décrire. Is what Daniel mentioned in chapter 12. C'est ce que Daniel a mentionné dans le chapitre 12. Jesus repeated in Matthew 24. Et que Jésus a répété dans Matthieu 4. He said, when you will see the abomination of desolation. Il dit que lorsque vous allez voir l'abomination of desolation. He said, well, you may not know that in French, the abomination that makes destitute, desolate. Oh. Ok, lorsque vous verrez l'abomination de la dissolution, understand that the time is there. Comprenez que le temps est là. That's what I saw yesterday. C'est ce que j'ai vu hier. I don't want to go further. Je ne veux pas aller plus loin. Because Facebook will block me. Parce que sinon Facebook va me bloquer. But listen to that. Mais écoutez-moi. We are at the end of the end. Nous sommes à la fin des fins. Things that were taboo. Les choses qui étaient des tabous and not spoken openly from the capital sont maintenant prononcées de manière libre au Capitole. This is a sign. Ça c'est un signe. It's a strong sign. C'est un signe fort. The church must be awakened. L'église doit se réveiller. Our salvation is nearer than when we first believed. Notre salut est plus proche que lorsque nous avons cru. I want you to pray. J'aimerais que tu pries. I want you to pray. Je veux que tu pries. That you will be heaven bound. Que tu sois lié, attaché au ciel. You will be heaven bound. Que tu sois lié au ciel. If heaven is not bound in you. Si le ciel ne n'est pas attaché. If your language pas lié is not heaven bound. Si ton langage n'est pas lié au if ciel. If your desires are not heaven bound. Si tes désirs ne sont pas liés au if ciel. If your appreciations are not heaven bound. Si tes appréciations ne sont pas if liées au ciel. If your lifestyle is not heaven bound. Si ton style de vie n'est pas lié au it ciel. Nothing of this earth should bind you. Ça dit que rien sur cette terre ne doit être lié. You must be heaven bound. Tu dois être lié au ciel. Everything about you must be nothing but heaven. Toute chose te concernant ne doit être rien d'autre que le ciel. This is the time to
be heaven bound more than ceci ever before. Est le moment d'être des gens liés au ciel plus pray que for jamais. That grace. Prie pour cette the grâce capacity là. To be heaven la bound. Capacité d'être lié au in ciel. The mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Father, in the name of Jesus, I pray for the grace to be heaven bound. Lord, to be bound by the principles, the lifestyle, and everything about heaven. That my life will not reflect anything of this world. That the world and all its passion, the world and all its intrigues, we have nothing in me. Lord, as I live my life, I am living it ready to go at any time. Yes, that should the Lord appear at any time, nothing will hinder me to go with him. That's why I stretch out my life before you, Lord, and I pray that Lord embrace me with the capacity to be heaven bound in the mighty name of Jesus. Amen. We give you praise and glory, oh God. Let your name be glorified. Que ton nom soit glorifié. As you bound your church. Tandis que tu lis ton église. Yes, to heaven. Au ciel. That nothing in this life. Que rien dans cette will vie distract us. Ne nous distrait. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Thank you for your faithfulness. Merci pour ta fidélité. In Jesus' most anointed name. Au nom très loin de Jésus. Amen. Amen, Gilles. One of my brother Kempo asked me a question this afternoon. L'un de mes frères, le pasteur Kempo, m'a demandé quelque chose cet après-midi. He said, "How are you doing?" Il dit, comment est-ce que tu fais? I said, "Doing two things." Il dit, je fais deux choses. Watching. Je veille. And preaching. Et je prêche. Watching. Je veille. And depopulating hell. Et je dépeuple l'enfer. Those are the two things we are left to do. Ce sont les choses qui nous restent à faire. Les seules choses qui nous restent à faire. Watching. Veiller, being ready, être prêt, prepared, être préparé, living for him, vivant pour lui. That's the watching part. Ça, c'est la partie de and veiller. Number two, la deuxième, depopulating hell, dépeupler l'enfer, proclaiming Jesus, proclamer Jésus, preparing the church préparer rapture. L'église pour l'enlèvement. Those are the two assignments. Ça, ce sont les deux devoirs. And proclaiming. Veiller et proclamer. And I pray that it shall also be your assignment. Et je prie que ce soit également ton devoir. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. So we began on Monday. Donc lundi nous avons commencé. The battle against the flesh. La bataille contre la chair. For those who are just joining us. Pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. We repeatedly said. On a dit de manière répétée. The Christian life is facing three main enemies. Que la vie chrétienne fait face à trois grands ennemis. The first is the devil. Le premier est le diable. The second is the world. Le deuxième c'est le monde. And the third is the flesh. Et le troisième c'est la chair. The Bible calls it the flesh. La Bible l'appelle la chair. Or the earthly nature. Ou la nature terrestre. Or the Adamic nature. Ou la nature adamique. Or the carnal man. Ou l'homme charnel. So or the self life. Ou la vie du moi. So those are the different names the Bible uses for this. For this lady. Et ceci, ce sont les différents noms que la Bible utilise. And for too long, some people thought it was just a thing. Et pendant longtemps, les gens pensaient que c'est juste quelque or chose comme habit. Ça. Ou une habitude. Or a sinful practice. Ou une pratique. But as we began to study, mais tandis que nous avons commencé à étudier, we realized that it's an entity. On s'est rendu compte que c'est une entité. It has a personality. Elle a une personnalité. And the way the Bible addresses it, et la manière dont la Bible it le parle with d'elle, a personal pronoun. C'est avec un pronom personnel. To tell you that it's not just a thing. Pour te dire que ce n'est pas juste une chose. And we realize et nous nous rendons compte the same attribute that a person has. En dehors des attributs qu'une personne the a. The same attribute a person has. Les mêmes attributs qu'une personne a. Is being possessed by this Mrs. Fletch. Est possédée également par mademoiselle Lachine. She has desires. Elle a les désirs. She is at war. Elle est en guerre. Confronting the Holy Ghost. Confrontant le Saint-Esprit. Imposing his own way. Imposant ses propres voies. And more to that. Et au plus she has a ministry or ministries. Elle a un ministère ou des ministères. Has ministries. Elle a des ministères. So we realize that we are facing an enemy here. Donc nous nous rendons compte que nous faisons face à un ennemi. And we say. Et nous avons dit. Among those three enemies. Que au milieu de ces trois ennemis. She is the fiercest. Elle est l'ennemi à craindre le plus. The dreadful one. L'ennemi le plus effrayant. You can't play with her. Tu ne peux pas t'amuser avec because elle. Because she is an enemy inside. Parce qu'elle est un ennemi interne. Where the devil can enter. Là où le diable ne peut entrer. She will go in. Elle ira. Where the world cannot appear. Là où le monde ne peut entrer. She will have access. Elle aura accès. She does not fear even the puppet. Elle n'a même pas peur. No matter how anointed that puppet is. Quel que soit le degré d'onction de she can mount that puppet. Elle peut monter dessus. She does not fear anointing. Elle n'a pas peur de l'onction. No matter how anointed
anointed you are, quel que soit ton décret d'onction, even as brother Samson, même comme le frère Samson, she does not fear you. Elle n'a pas peur de toi. She is called Miss Fletch. Elle a appelé mademoiselle. So we engage a battle against her. Donc nous avons commencé une guerre contre elle. Because we saw the way Apostle Paul cried. Parce que nous avons vu comment l'apôtre Paul. How he has good intentions. Comment il avait de bonnes intentions. He loves the Lord. Il aimait le Seigneur. He wants to keep the law. Il voulait maintenir la But loi. But he always find himself doing the things that he did not want to do. Mais il se trouvait toujours en train de faire les choses And qu'il ne voulait pas faire. Out. Et il a pleuré. Who would rescue me? Il a crié, qui va me sauver? That drew our attention. Cela a attiré notre attention. If Paul can cry out, si Paul the great apostle Paul, le grand apôtre Paul, there is an issue here. C'est qu'il y a un problème ici. So we began to study. Nous avons commencé à étudier. We realized that there is no man on earth. On s'est rendu compte qu'il n'y a aucun no man of God, aucun homme de no Dieu, church, aucune église, no theology, aucune théologie. It no whatever name you may give, that can deliver you from the flesh. Ne peut te délivrer de la chair. The anointing cannot. L'onction ne peut pas. Your prayer life, which is of course recommended, cannot. Sa vie de prière qui est recommandée ne peut le faire. It cannot solve the Elle problem ne peut of flesh. Pas résoudre le problème de la chair. So as we began to study, donc tandis que nous avons commencé we à étudier, realized on s'est rendu compte that it takes crucifixion. Que ça demande la crucifixion. A crucified life. Une vie crucifiée. A life that is hanging on the cross. Une vie qui est accrochée à la croix. When you hang on the cross, lorsque tu es accroché à la croix, it's a blow to the devil. C'est un vent pour le contre it's le diable. It's a blow. C'est un coup. When you hang on the cross, lorsque tu es crucifié à la croix, you put the devil to you put the flesh to death. Tu mets la chair à mort. So we now engage ourselves. Donc nous sommes engagés maintenant. How to live a crucified life. Donc comment vivre une vie crucifiée? And we saw Jesus' recommendation. Et on a vu les recommandations de Jésus. He said number one. Il dit premièrement. You begin by denying self. Tu commences en te renoncer à toi-même. You must deny the self, the flesh. Tu dois renoncer à la chair. Deny the carnal nature. Tu dois renoncer à la nature charnelle. Number two. Deux. You must take up your cross. Tu dois porter ta croix. For any Christian that is following Jesus. Parce que pour tout chrétien qui suit Jésus. And does not carry a cross. Porte pas une croix, it's not a disciple. Ce n'est pas un disciple. You are a spectator. Tu es un spectateur. A proof of your discipleship. Une preuve de ton disciple, is that you carry a cross. C'est que tu montes à la croix. And number three, et trois, you must follow Jesus. Tu dois suivre Jésus. Not a man. Pas un homme. Not a church. Pas une église. Not a big prophet. Pas un grand prophète. Even when you follow a man, même lorsque tu suis un homme, he must be following Jesus. Il doit suivre Jésus. That is why. You cela, must not be a blind follower. Tu ne dois pas être un suiveur aveugle. Then number four. Quatrièmement, you must hang on the cross. Tu dois être crucifié à cette croix. You must accept to die. Tu dois accepter de mourir. That's what we began to we saw in the series. Donc c'est ce que nous avons vu durant la série. Yesterday. Hier. We saw how that crucified life can be facilitated to put an end to every pattern of the flesh. Nous avons vu comment cette vie crucifiée peut faciliter à éteindre tous les œuvres de la chair. We said you must live in the spirit. On a dit tu dois vivre dans en esprit. When you live in the spirit, lorsque tu vis dans you l'esprit, will not gratify the passions of the flesh. Tu ne gratifieras pas les passions de la chair. Because though you are on the cross, parce que malgré que tu sois sur la croix, these passions are still trying to come around. Ces passions essaient toujours de venir. So the way to end it, dans le moyen de is d'en to finir live avec in eux, the spirit. C'est de vivre en esprit. And we understood. Et nous avons compris. This is talking about fellowship with the Holy Spirit. Que ceci parle de la communion avec le Saint-Esprit. That intimacy with the Holy Spirit. Cette intimité avec le Saint-Esprit. That oneness with the Holy Spirit. Cette union that avec le Saint-Esprit. That friendship with the Holy Spirit. Cette amitié avec le Saint-Esprit. That walking together with the Holy Spirit. Cette marche ensemble avec le Saint-Esprit. Making the Holy Ghost your best friend. Faisons du Saint-Esprit ton you meilleur talk to ami. Him every day. Tu lui parles chaque he jour. He talks to you every day. Il te parle chaque jour. So you live in the Spirit. Donc tu vis en esprit. You also walk in the Spirit. Tu marches également en esprit. You are also in step with the Spirit. Tu es également dans les pas de l'esprit. You are always in the Spirit. Et tu es toujours en esprit. We said that was the first thing we said. Donc ça c'est la première chose que nous avons dit. In order to ensure a consistent break with the gratification of the flesh. Pour nous de nous rassurer d'une consistance d'un moyen de ne pas gratifier la chair. Yeah. We want to see another one today. Nous voulons voir un autre élément aujourd'hui. Then we will pray. Et on va prier. Now we want to see another one. On va voir un autre. In Acts chapter 13. Dans Actes chapitre 13. In verse number 22.
Dans le verset 22, I want you to open your Bibles. J'aimerais que vous ouvrez vos Bibles. Acts chapter 13. Acte 13. Somebody is having pains behind just the vein. There is a vein behind the neck, your neck. Il y a une veine derrière ton cou. I see it swelling. It's like it's swelling up. Et je vois comme si elle a gonflé. Enflé, yes. Elle s'est enflée. Yeah, I want to, you to lay your hand on it. J'aimerais que tu déposes tant ta main dessus. Yes, on the right hand side. On the right hand side. Du côté droit. Father, in the name of Jesus. Père, au nom de I Jésus. I command that pain to disappear je now. Je commande à cette douleur de disparaître every swollen, maintenant. Tout every inflammation. Toute inflammation. I command in the name of Jesus. Je commande au nom de Jésus. Go. Pars. I paralyze you. Je te paralyse. And I set that one free in the name of et Jesus. Je te libère au nom de Jésus. Amen. Amen. Acts chapter number 13. Acte chapitre 13. Hear what verse 22 says. Regardez ce que le verset 22 dit. After removing Saul, he made David their king. He testified concerning him, I have found David, the son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. I know you are wondering, where is the flesh here? Je sais que tu es en train de t'interroger, disons, mais où est la chair ici? But this is a very big and strong revelation. Mais ceci est une révélation grande et forte. That the Bible is bringing to our attention. Que la Bible est en train d'amener à notre attention. It's describing two people. Ça décrit deux personnes. Who came to the throne. Qui sont venus au royaume. One was Saul. Un a été était Saul, Saül. The other was David. Et l'autre était David. Now, what you may not understand. Ce que tu peux ne pas comprendre. God is describing this two kings that wants to reign in your heart. Dieu est en train de décrire ces deux rois qui veulent régner dans ton cœur. There is a king according to Saul. Il y a un roi. Selon. Il y a un roi selon Saül. There is a king. There is a king according to David. Et il y a un cœur. Il y a un roi, selon, roi David. Selon David. Simple. These kings wants to reign in your heart. Ces rois-là veulent régner dans ton cœur. According to scripture. En fonction des écritures. Looking at it from an allegorical point of view. Le regardant d'un point de vue allégorique. Scripture makes us understand. Les écritures nous font comprendre. That Saul. Que Saül. Is the king according to the flesh. Que c'est le royaume, c'est le roi en fonction de la chair, selon la chair. He is the king according to the flesh. Il est le roi selon la chair. Whereas David, tandis que David is the king according to the spirit. C'est le roi selon l'esprit. I want you to listen attentively. J'aimerais que tu écoutes attentivement. I want to say I am looking at this from an allegorical point of view. Je vais le dire, je regarde à ceci selon un point de vue allégorique. Taking physical realities to bring a spiritual meaning. Prendre des réalités physiques et les amener vers un côté spirituel. No, listen attentively. Don't listen to me. When I talk about allegorism. Lorsque je parle de l'allégorisme. I'm saying. Je dis. I'm taking this story. Que je prends cette histoire. Which is practical. Historical, qui est historique, pratique, and bringing out spiritual truths, et je fais sortir de là des vérités spirituelles, so that you and I can understand, pour que toi et moi on puisse comprendre. So many times in the scripture, donc plusieurs fois dans les écritures, Saul is denoted, Saül est décrit, as the king according to the flesh, comme le roi selon la chair. David is denoted. David est décrit as the king according to the spirit. Comme le roi selon l'esprit. So these are two kings. Donc ceux-ci sont deux rois. And the one must reign in your heart. Et un doit régner dans ton cœur. Remember that Saul reigned before. Souvenez-vous que Saül a régné auparavant. In other words, the flesh was reigning before. Donc en d'autres termes, la chair régnait avant. The king flesh was reigning. Le roi chair régnait. And it is time now for the king according to David to reign. Et c'est maintenant le moment pour le roi selon David de régner. But the problem is. Mais le problème who est. Who can dethrone Saul?
Qui peut détrôner Saül? Are we together here? Sommes-nous ensemble? Who can dethrone Saul? Qui peut détrôner Saül? For too long, the flesh has been reigning. Pendant trop longtemps, la chair a régné. When you were born, he was on that throne. Lorsque tu es né, elle était là, elle était dans ce trône. You grew up, he was on that throne. Tu as grandi, elle était sur ce trône. All throughout your life, he has been on that throne. Tout au long de ta vie, elle était sur ce trône. You accepted Jesus. Tu as accepté Jésus. He said no problem. Elle a dit no problem. As long as you can be a carnal Christian. Aussi longtemps que tu peux être un chrétien charnel. That is to say, c'est pour you dire, allow me to continue to reign. Tu me permets de continuer de régner. And you go to church. Et tu pars à l'église. And you are involved in church activities. Et tu es engagé dans les you activités can even de hear the call into ministry. Tu peux même entendre l'appel. And become a man of God. I have no problem. Je n'ai aucun problème. As long as I am reigning. Aussi longtemps que je règne. And that is how he has been reigning. Et c'est comme ça qu'il a il régnait. Until now you are telling him. Jusqu'à maintenant où tu you dis want to go to the cross. Que tu veux aller à la croix. As you were lotting at the foot of the cross. Tandis que tu étais en train de tourner tout autour no, de la you had no problem. Il n'avait pas de problème. The devil had a problem. Le diable avait un problème. The world had a problem. Le monde avait un problème. But he had no problem. Mais lui, elle n'avait pas de problème. Because that does not give him headache. Parce que cela ne lui donnait pas les maux de tête. But the moment you say you want to hang on the cross. Mais le moment où tu as dit que tu veux être crucifié. Wanting David to reign. Voulant que David règne. That's where there is a problem. C'est là qu'il y a eu un problème. Listen attentively. Écoutez attentivement. So Saul dans Saül is an image of the flesh. C'est une image de la chair. Are we together here? Sommes-nous ensemble ici? Just as the flesh has been reigning. Comme la chair est en train de Saul too was reigning. Saül également régnait. The flesh does not reign to glorify God. La chair ne règne pas pour glorifier His reign Dieu. Is against God. Son royaume est Just like Dieu. Saul was Everything he did was disobedient to God. Comme Saül, tout ce qu'il a fait, c'était la désobéissance envers Dieu. So how do you not dethrone the flesh? Donc maintenant, comment est-ce que tu détrônes la chair? How can the flesh be dethroned? Comment est-ce que la chair peut être détrônée? Remember, souvenez-vous, we saw yesterday. On a vu hier. How we can cut off its gratification. Comment nous pouvons mettre fin ses gratifications? His passions. Ses passions. We saw that yesterday. Nous avons vu cela that hier. Though you're on the cross, que même quand tu es à la croix, for you to do with away with the passions. Pour toi the gratifications of the flesh. Les gratifications de la chair. You must live in the spirit. Tu dois vivre par You must be in fellowship with the Holy tu Ghost. Tu dois être en communion avec le Saint-Esprit. But now, Mais how can you dethrone him? Comment peux-tu le détrôner? When we dethrone, lorsqu'on le It means it does not rain. Ça veut dire qu'il ne règne plus. Even when he comes back, même lorsqu'elle revient, he realizes the throne is being occupied. Que le trône est occupé. So the Bible says Dans la Bible dit, something of how that can come about. Que quelque chose peut sortir Remember, de lui. Souvenez-vous, no one could dethrone Saul. Que aucun personne ne pouvait détrôner Saul. No one could dethrone Saul. Personne ne pouvait le détrôner. No one could dethrone Saul. Personne ne pouvait le détrôner. Even when David was anointed as king. Même quand, lorsque David avait été oint Saul roi, continued to reign. Saül avait continué à régner. David had to wait for the appropriate person to dethrone Saul. David devait attendre pour que la personne appropriée détrône And Saul. Who was the appropriate person? Et qui était cette personne appropriée? This scripture tells us that person. Ce passage nous parle de cette personne. In that verse 22, Dans ce verset 22, he said, after removing Saul, il dit, puis l'ayant rejeté, who removed Saul? Qui a enlevé Saul? Who rejected Saul? Qui l'a rejeté? Who put Saul aside? Qui l'a mis de côté? Who dethroned Saul? Qui l'a détrôné? Who do you think did that? Est-ce que, Was it Samuel? Est-ce que c'était Samuel? No. Non. He was not a prophet. Ce n'était pas un prophète. Was it David? Est-ce que c'était David? No. Non. Even when David had an opportunity to kill him, même lorsque David avait eu l'opportunité he de le tuer, refused to kill him. Il a refusé de le he tuer. He had an understanding of spiritual authority. Il avait une compréhension de l'autorité spirituelle. That you don't touch the one God has anointed. Que tu ne touches pas celui Even que tu as Even if he is carnal, même s'il est charnel, you don't speak against him. Tu ne parles pas Even contre lui. Even if he is carnal, même s'il est charnel, il a Nothing came upon the carnality. Si l'onction est descendue sur you la charnelle, you cannot touch him. Tu ne peux pas le toucher. So he refused to dethrone Saul. Non, il a refusé de détrôner Saul. Was it the army of Israel? C'était l'armée. It wasn't the army of Israel. C'était pas l'armée d'Israël. Who therefore rejected Saul? Qui a donc rejeté Saul? Who dethroned Saul? Qui l'a détrôné? Who removed Saul? Qui l'a enlevé? It was the Lord Almighty. C'était le Dieu Tout-Puissant. The story is the story of God. L'histoire c'est l'histoire de Dieu. Now, if you want to get a background, look at verse. You go to verse 21.
Si tu veux connaître un peu plus sur cette histoire, on regarde à partir du verset 21. Yeah, he said, then the people asked for a king and gave and God gave them Saul, son of Kish, of the tribe of Benjamin. He made who ruled 40 years. Ils demandèrent alors un roi et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kish, de la tribu de Benjamin. I know you are asking me, why could God give them a king according to the flesh? Et je sais que vous êtes en train de poser la question de savoir comment est-ce que Dieu pouvait leur donner un roi qui était selon la chair. God did not want them to have a king. Dieu ne voulait pas qu'ils aient un roi. God did not want. Dieu n'a pas voulu. He wanted to be their king. Il voulait être leur roi. But they said to Samuel. Mais ils ont dit à Samuel. We want a king. Nous voulons un roi. Like the nations, like the other nations. Comme les autres nations. We want a king. On veut un roi. Like the other nations. Comme les autres nations. They rejected God. Ils ont rejeté Dieu. When Samuel cried the whole night. Lorsque Samuel a prié. The Lord said to Samuel, "It is not you they have rejected." Le Seigneur a dit à Samuel, ce n'est pas toi. They have rejected me as their king. Ils m'ont rejeté comme leur roi. I will give them their king. Je leur donnerai un roi. Be careful when you ask things to God. Faites attention lorsque vous demandez des choses à Dieu. If God had to give them a human king. Même si Dieu devait leur donner un roi humain. If there was a time. Il y avait un temps pour cela. David was still being prepared. David était encore en train d'être préparé. The king according to the spirits. Un roi en fonction de. So they rejected God. Donc ils ont rejeté as king Dieu over their lives. Comme roi. And asked for a king like the other nations. Ils ont demandé un roi. So God gave them the desires of their hearts. Dieu leur a donné le désir the de leur cœur. The king according to the flesh. Le roi selon la chair. Are we together here? Ensemble ici. Are we together here? Sommes-nous ensemble ici? And he tormented them. Et il les a tourmentés. When the flesh rules. Lorsque la nouvelle. When the flesh rules. Lorsque la chair règne. When the flesh is on the throne. Lorsque la chair est sur le trône. You are no longer in control. Tu n'es plus au contrôle. You all can testify. Vous pouvez témoigner. So no one could take away Saul. Personne ne pouvait enlever No one can take away can dethrone the flesh. Personne ne peut détrôner la chair. It was God the Father himself. C'était Dieu le Père lui-même. Listen to me. Écoutez-moi. God the Holy Ghost. Dieu le Saint-Esprit. Will help you to cut off the gratifications of the flesh. Va t'aider à te couper de gratifications de la chair. God the Son. Dieu le Fils. Will help you to be crucified on the cross. Va t'aider à être crucifié. But God the Father. Mais Dieu le Père. Will help you to dethrone the flesh. Va t'aider à détrôner la chair. Are you getting there? Are you getting here? Est-ce que tu es en train de comprendre cela? I said God the Holy Ghost. Je dis Dieu. He will help you as you fellowship with him, as you live in the spirit. You will not satisfy the desires of the flesh. You will not gratify the flesh. The Holy Ghost will help you that the passions of the flesh will not be gratified. Then the God, the Son, as you hang on the cross, living a crucified life, you will put to death the reign of the flesh. Il va mettre à mort le règne de then la chair. God the Father. Et maintenant Dieu le is Père. The one est that can dethrone the flesh. Qui est-ce qui peut détrôner to la dethrone chair. Means to uproot. Pour détrôner veut dire déraciner. Uproot and take away everything that belongs to him. Déraciner et enlever tout ce forget qui lui the memory of the person. Oublier la mémoire de cette personne. As if he never existed. Comme si elle n'a pas existé. God wants to dethrone the flesh in your life. Dieu veut détrôner la chair dans ta vie. I don't know whether you are getting the revelation. Je sais pas si tu comprends la révélation. There is a need for the flesh to be dethroned. Il y a un besoin pour la chair d'être so détrônée. So that never par aventure will he come to reign one day. Pour que même pas par mésaventure puisse revenir. He will never be able to reign again in your life. Elle ne sera plus capable de régner dans ta vie. It would be a story that your children will never remember. C'est une histoire que des enfants they will not even remember that there was Mrs. Flesh that once reigned. Ils vont pas se souvenir de même qu'il y a un it is only God the Father. C'est seulement Dieu le Père. Who can dethrone the flesh? Qui peut détrôner la he chair. Was the one that dethroned Saul. Il était celui-là qui a détrôné. Remember, it was not the prophet Samuel. Souvenez-vous, c'était pas le prophète Samuel. It was not even David, the anointed one of God. C'était pas David, celui it was not even the military. C'était pas a coup d'état cannot work against the flesh. Un coup d'état ne peut pas marcher. It cannot work against the flesh. It takes only God the Father. Ça prend seulement Dieu le Père. To dethrone him. Pour le détrôner. That's why today.
C'est pour cela qu'aujourd'hui, he will be dethroned. Elle sera détrônée. In your life, dans ta vie, the flesh will be dethroned. La chair sera détrônée. You will put an end to the works of the flesh. Tu vas mettre fin aux œuvres de la chair. God will dethrone the flesh today. Dieu va détrôner la chair so aujourd'hui. Today, donc aujourd'hui, it's not enthronation. Ce n'est pas à l'intronisation. It's to dethrone the flesh. C'est pour détrôner la chair. So you are going to open your mouth. Donc tu vas ouvrir ta bouche. You are going to open your mouth. Tu ouvriras ta bouche. After removing Saul, il dit, après avoir after dethroning the flesh, après avoir détrôné la chair, he now gave them a king il leur a maintenant donné according un roi, to the spirit. Selon l'esprit. Because the throne must not be empty. Parce que le trône ne doit pas être vide. Somebody must be in the throne. Quelqu'un doit être sur ce I trône. Want us to pray. J'aimerais que nous prions. The first prayer topic le premier sujet de prière is to ask God to forgive us. C'est de demander à Dieu de nous pardonner. For ask, requiring a king. Pour avoir demandé un roi. You ask for a king. Tu as demandé un because you wanted to be like other people. Parce que tu voulais être comme les autres. You went after fashion. Tu as suivi la mode. You allowed the curse of this life. Tu as permis les soucis because de ce monde. You wanted to be like others. Parce que tu voulais être comme les you autres. Want to tell God, tu veux dire à Dieu, I am sorry for the wrong choice. Je te demande pardon pour les for asking choix, a king. Pour avoir demandé whereas you wanted to be my king. Là où tu voulais être mon roi. Whereas you wanted to be the king. Parce que tu voulais être le roi. You wanted to reign. Tu voulais régner. But out of covetousness. À cause de la convention, covetousness, convoitise. À cause de la convoitise, out of covetousness, l'acte de la convoitise, out of covetousness, de par la convoitise. Out of wanting to look like other people, voulant être comme les autres, like the other nations, comme les autres nations, like the other friends, comme les autres amis, like the other unbelievers, comme les autres non-croyants, you don't know where they make their money, tu ne sais pas où est-ce qu'ils font because leur they drive in big cars, parce qu'ils conduisent de you grosses want voitures, also to look like them, tu voulais également être comme eux. That's where you ended up where you are. C'est pour cela que tu as fini you là put où your tu hand where you were not supposed to put your hand, tu as mis tes mains où tu ne devais pas les and mettre. You are thinking there is no way out for you, et tu penses qu'il n'y a pas de sortie pour you toi. Indebted yourself to where you are now. Tu t'es endetté là où tu t'es because you wanted a king like the other nations. Parce que tu voulais un roi. You want to tell God, can you forgive me, Master? Tu me pardonner, is there a place in your heart to forgive me? Est-ce qu'il y a une place dans ton cœur pour me pardonner? To forgive me from this grievous sin I have committed. De me pardonner pour ce péché grave. When I want, where I wanted to be independent. Lorsque je voulais être indépendant. I did not want you again in my life. Je ne voulais plus dans ma vie. I became tired of you. Je suis devenu fatigué de haven't toi. Haven't you taken me out of Egypt? Après que tu m'as enlevé de Egypte. And you have been so faithful. Et tu as été tellement fidèle. Because I wanted to look like others. Parce que je voulais ressembler I aux wanted autres. To please other people. Je voulais faire I wanted human approval. Je voulais l'approbation humaine. I asked for a king. J'ai demandé un roi. That has landed me where I am. Qui m'a fait tomber où je me I pray that find a place to forgive je me. Prie que tu trouves can you cry to God? Est-ce que tu peux pleurer can you cry Seigneur? To God? Est-ce que tu peux we pleurer? All sought for a king. Nous avons tous cherché we un roi. We looked for a king. Nous avons cherché whereas un roi. God wanted to be our là king. Là où Dieu voulait être notre roi. Hey! Can you raise your voice? Est-ce que tu peux élever ta voix? Father, I come before your presence. I cry out in desperation. I cry out in a broken heart. With a broken heart. I am sorry, oh God, for requesting a king. You had wanted from the very beginning to rule over me, to be the king of my life, to be the one to lead me and to direct my operations. The Lord, because I had an eye outside, wanted to look like other people, wanted to look like the other nations, wanted human approval. I landed myself into what I am today. I pray God forgive the church. Forgive us as a church for wanting to live in the spirit of competition. Forgive us as a church for straining our eyes where they were not supposed to go. I pray that you will forgive. I pray for forgiveness, oh God. Father, forgive us, Lord, from this grievous sin we have committed. I pray, find a place in your heart, Master, to forgive me. I give you praise, Father, in Jesus' name. I want us to pray. We're going to ask. We want to ask the Lord to dethrone the flesh. Nous voulons demander à Dieu de détrôner la chair. We want to tell God to dethrone the flesh. Nous voulons lui dire de détrôner la chair. Listen to me. Écoutez-moi. Samuel thought the flesh could change. Samuel pensait que la chair pouvait changer. He thought Saul
could change. Il a cru que Saül pouvait changer. He spent days. Il a passé des jours. Weeks. Des semaines. Months. Des mois. Crying before God for Saul. Pleurant devant Dieu pour Saül. And the Lord said to him. Et le Seigneur lui a dit. How long will you cry for Saul? Jusqu'à quand pleureras-tu pour Saül? How long will you cry for the flesh? Jusqu'à quand pleureras-tu pour la chair? Don't you understand? I've rejected him. Ne comprends-tu pas que je l'ai rejeté? He said, take your horn and put oil. Il dit, prends ta coupe I'm et remplis you de somewhere. Je t'envoie quelque to part anoint the king according to the spirit. Pour oindre un roi selon l'esprit. He said, this man will do all my will. Il dit, cet homme va faire toute ma volonté. He will operate in the spirit. Il va opérer dans l'esprit. You want Saul to be, you want the flesh to be dethroned. Tu veux que la chair soit détrônée. You want to beg God. Tu veux supplier Dieu. Please dethrone the flesh. S'il te plaît, détrône la chair. Even though I asked for him. Même comme je lui ai demandé. Out of my stupidity. De par ma stupidité, I am begging you to dethrone him. Je te demande de te supplie I de le détrôner. I don't want to know about his existence again. Je ne veux même plus rien savoir de son existence. I don't want his memories again. Je ne veux plus sa mémoire. Lord, dethrone the flesh. Seigneur, détrône. May the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord strengthen you. Que le Seigneur vous fortifie. May the Lord keep you rapturous. Que le Seigneur vous garde enlevable. May you now enjoy the fullness of your Christian que life. Que maintenant vous jouissez de la plénitude de votre vie chrétienne. Now that the flesh has been dethroned. Maintenant que la chair a été détrônée. The king according to the flesh is dethroned. Le roi selon la chair a été there détrôné. Is total victory. Il y a de la victoire totale. There is total victory. Il y a de la victoire totale. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Tomorrow again. Demain encore. At 6:30 GMT plus one time. À 18h30 heure GMT plus. 12:30 Eastern time. 12h30 heure de check off your time zone, please. Regarde ton temps, là où tu te trouves. We will be connecting again. On va se connecter une fois de plus. And it's going to be a great time in the presence of the Lord. Ça sera également un grand moment dans la présence de Dieu. The Lord richly bless you. Que le Seigneur vous bénisse richement. I will see you tomorrow. Je vous verrai demain. Stay rapture ready. Restez enlevable. Heaven bound. Lié au ciel. Living according to the standards of above. Vivant selon les standards d'en haut. For that's where your life is. Parce que c'est là que ta vie est. And when Jesus, who is your life, et lorsque Jésus qui est ta vie, will appear, apparaîtra, you will also appear with him in glory. Tu vas également apparaître avec lui dans la gloire. The Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. I love you. Je vous aime. But Jesus loves you more. Mais Jésus vous aime encore plus. Bye bye. Au revoir.